Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes très sympa et très facile à réaliser. Et surtout, en fin de vidéo, le tirage au sort du concours des 25 000 abonnés. Comme d'habitude, démo et explication derrière, allez c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un sachet zip hein, qu'on va tout simplement fermer comme ceci, voilà, et on va le laisser sur la table. Et on aura besoin également d'un jeu de cartes de 52 cartes différentes dans lequel le spectateur choisira une carte librement, mais avant bien entendu il peut mélanger les cartes si besoin. Et ensuite il choisira sa carte, imaginons celle-ci, ici un 5 de carreau, bien entendu le 5 de carreau pour être signé, pour être sûr qu'il n'y en a qu'un, pas d'autre dans le paquet hein. Et derrière, la carte sera perdue dans le jeu, voilà, on va les mélanger un petit peu, voilà, et on coupera un petit peu les cartes comme ceci, parfait. Ici le sachet zip, regardez bien ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre les cartes, donc la carte perdue dans le jeu, on va tout simplement mettre ça sur la table et ensuite on va faire un petit peu le brouillon comme ceci, voilà, ouais, parfait, voilà, on est pas mal. Donc la carte part dans le jeu et regardez bien ce qui va se passer, si on fait une petite passe magique comme ceci, regardez bien qu'on tire maintenant, d'un coup sec, une seule carte passe à travers et se retrouve dans le sachet. Alors ce qui est fort c'est que maintenant on peut même aller ouvrir notre sachet avec la main à l'intérieur, sortir du sachet la carte qui aurait pu être signée. Et bien entendu, le spectateur peut tout examiner car toutes les cartes sont bien différentes. Il n'y a pas de deuxième 5 de carreau. La carte choisie. Allez, on se retrouve pour les explications de ce tour qui est vraiment très facile à faire. Vous allez avoir besoin d'un sachet zip hein, comme ceci, banal, et d'un petit tube de colle pour préparer le sachet. Donc en fait la préparation va être très simple. Vous allez prendre de la colle comme ceci, vous allez un peu mettre de colle sur cette zone là, par ici, dessus, voilà, on tapote un petit peu, ça suffit largement, et voilà, la préparation est faite, on a ça, on n'en a plus besoin, on peut l'enlever et vous êtes prêt pour commencer le tour. Prenez le sachet que vous posez sur la table, donc la zone avec la colle vers le haut, par exemple juste ici par exemple, et vous prenez votre jeu de cartes, vous allez faire choisir une carte au spectateur, imaginons ici la dame de trèfle, et la carte va devoir être contrôlée sous le jeu. Alors il existe pas mal de méthodes, hein. Moi je vous invite à aller sur mon école de magie tutomagie.fr pour voir un peu tous les contrôles possibles, mais sinon pour le tour ici je vais vous en expliquer un, par exemple le contrôle par le mélange hein, qui est très simple. Vous prenez la carte, vous la placez sur le dessus et en fait vous pelez la première carte et le reste du jeu par dessus, et là en fait automatiquement la carte est passée en dessous, et ensuite il vous reste plus qu'à faire une pression avec les doigts ici et ici pour sortir le milieu du jeu, garder la carte toujours en dessous et mélanger de nouveau. De cette manière on donne une illusion de mélanger le jeu, en réalité la carte reste en dessous. Donc rapidement ça donne ceci, donc la carte choisie, on la pose, hop, on perd et on mélange de nouveau, et là la carte est contrôlée. Bien entendu il existe des contrôles plus avancés, mais bon voilà, c'est à vous de voir ensuite si vous voulez pas vous embêter, ce contrôle fait très bien à faire. Par la suite vous présentez de nouveau le sachet et vous allez le positionner sur la table, donc là la partie collante est juste ici. Et vous expliquez que la carte est perdue dans le milieu du jeu. Et là, vous allez taper d'un coup sec en posant le jeu sur le sachet. En réalité, la carte va se coller au sachet. De là, vous faites une petite pression dans le fait d'étaler les cartes. Donc là, la carte est vraiment bien collée. Vous faites un peu le bordel en étalant les cartes sur le sachet pour bien le recouvrir. Vous expliquez, vous faites une petite passe magique comme ceci. Et là, en fait, vous prenez par ici et vous allez tout simplement d'un coup sec tirer, ce qui va en fait faire tomber toutes les cartes sauf une qui va être restée collée. Forcément c'est la carte choisie. Alors de ce côté là on a vraiment l'impression que la carte est à l'intérieur du sachet, hein, y a pas de souci. On est comme ceci et à la fin vous avez qu'à prendre le tout comme ceci. Vous allez faire donner l'impression de sortir la carte du sachet en rentrant les doigts, le pouce reste à l'extérieur. Vous allez vers la carte et là regardez bien, vous allez avec le pouce tirer, la carte va forcément facilement se décoller et vous la sortez comme ceci. Hop, on a l'impression de devant que la carte sort du sachet. Vous montrez que la carte tout à fait ordinaire et vous pouvez tout donner à examiner, il n'y a rien à voir. Donc voilà, c'était une méthode pour réaliser l'effet de la carte à travers le sachet. Bien entendu il en existe d'autres, on peut pas toutes les expliquer parce que certaines utilisent des gimmicks. Celle-ci est très simple à réaliser, ne nécessitant aucun gimmick. Franchement elle est très convaincante en réalité. Si vous voulez éviter le fait de poser le jeu, vous pouvez également, si vous mettez un peu plus de colle, tout simplement effeuiller les cartes comme ceci, la pression, eh ben, la carte va se coller sur le sachet. Ça peut être une méthode visuelle pour réaliser aussi l'effet. Néanmoins voilà, vous avez l'idée de base, après à vous de travailler la présentation, c'est vraiment très simple à réaliser. Voilà, je suis sûr que vous allez pouvoir faire un petit effet très sympa sur vos spectateurs avec ce petit tour. Donc sur ce, entraînez-vous, pratiquez et ensuite performez. Si vous êtes encore là, on se retrouve tout de suite pour le tirage au sort du concours des 25 000 abonnés pour gagner le tour choc.
Allez, c'est parti, on se retrouve sur le site de tirage au sort, donc YouTube Random Command Picker. Donc une site pour faire un tirage au sort, donc je vais mettre l'URL de ma vidéo juste ici. Donc voilà, je copie l'URL, parfait. On va cocher la case filtrer les commentaires duplicata et on recherche maintenant le nombre de commentaires. Donc on en a 479, donc 479 participants. On va maintenant cliquer tout simplement sur le tirage en cliquant juste sur Start, c'est parti. Ça recherche. Hop. Et le gagnant. Et voilà, donc le gagnant, c'est Logan Match. Donc super gimmick, je participe au concours. Avec plaisir, encore bravo pour les 25 000 abonnés. Ben, merci à toi et félicitations. Franchement, tu gagnes un super gimmick vraiment très sympa à utiliser. Donc voilà, essaye de me contacter via Facebook, Instagram ou même sur YouTube comme tu peux pour me donner ton adresse et que je puisse transmettre ça à la boutique pour que tu puisses recevoir ton gimmick chez toi. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé. Vous êtes à chaque fois très nombreux à participer à mes concours. J'essaie au mieux d'en organiser le plus souvent pour faire vivre la chaîne grâce à vous. Donc sur ce, je vous remercie encore et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et de prochains concours. Merci à tous et bonne magie.